Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous propose de transformer votre t-shirt en top à volant. Pour ce modèle, j'ai besoin d'un t-shirt à manches longues et d'un mètre de tissu. Une fois que j'ai déterminé la longueur de mon nouveau top, je la reporte sur mon t-shirt plié sur le milieu devant, je trace un trait et je coupe. Pour la longueur des manches, je vous propose une longueur au niveau du coude et même principe, je trace un trait et je coupe. Sur l'envers des manches, je fais un point à 10 cm et je coupe au plus près des coutures. Sur l'endroit cette fois de la manche, je fais un point à 9 cm et je trace une diagonale allant de l'intérieur vers l'extérieur de la manche. C'est sur ce trait que je vais poser mon premier volant. Passons au volant. Sur mon tissu plié en 4, je vais faire des points à 10, 25 et 40 cm afin d'obtenir des volants d'une hauteur de 15 cm. Je vais pointer en arc de cercle afin d'obtenir des volants réguliers. Je relie ensuite les points et je coupe. Avec mon volant le plus long, je vais déterminer la longueur dont j'ai besoin pour le bas de mon top. J'obtiens ainsi trois volants. Avec le volant ayant le plus petit diamètre, je prends la longueur nécessaire pour faire le tour de ma manche. J'épingle mes volants sur ma manche et je les assemble en piqûre zigzag. Je fais le tour de ma manche et ainsi j'aurai posé mon premier volant. Pour le volant du bas, je le ferme et je le finis en double aiguille. Je finis d'ailleurs tous mes volants en double aiguille pour avoir une jolie finition. Je vais maintenant poser mon deuxième volant au niveau de la manche. Je prends, comme d'habitude, la longueur nécessaire pour faire le tour du bas de la manche et je coupe le surplus. J'assemble en piqûre zigzag. Je vais maintenant fermer ma manche. Je prends en fourreau le premier volant et j'épingle. J'épingle également mon volant du bas. J'assemble le tout en piqûre zigzag et ensuite avec un point droit. Et voilà, mon nouveau top est prêt. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à me laisser des commentaires. Je vous dis à très vite!